Yop, bonjour, on se retrouve pour un match de Liga Santander. Real Madrid, Atlético Madrid, j'ai vendu Cristiano Ronaldo, mais il ne partira qu'à la période des transferts. J'ai vendu Keylor Navas et j'ai vendu Varane. Ça va me faire un beau petit pactole. Isco, Kovacic m'a demandé de démarrer le match. Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience hein, le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bienvenue à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en compagnie de Pierre Ménès, ici au Wanda Metropolitano. N'est-ce pas Pierre? Vous êtes heureux? Oh, je suis ravi, ça peut te le dire. Ce stade a mis longtemps à voir le jour et je ne pensais pas commenter un match un jour ici avec toi, comme quoi tout arrive. Ce sont les deux équipes madrilènes qui s'affrontent bien aujourd'hui. Oui, c'est un vrai derby, c'est un peu le match à ne pas perdre pour les supporters des deux camps. En général, c'est assez tendu, hein. Et pas que sur le terrain. Et ça a même été l'affiche de la finale de la C1 deux fois en 2014 et en 2016. On ne s'attendait pas à avoir de l'Atlético Madrid dans cette situation. Il va falloir qu'ils se reprennent, hein, les Colchoneros. On peut commencer à s'inquiéter pour cette équipe, en effet. Hein. On va jouer les tout premiers rôles, les une place européenne, ben on évite de perdre des points sur la première moitié du championnat. Le Real Madrid avait fait un bon match lors de sa dernière rencontre à domicile en s'imposant face à Las Palmas. Succès acquis sur le score de 3-0. Les joueurs sont en confiance. Ils peuvent renouveler leur performance. Alors que le réalisateur vous propose la composition à la frappe de Cristiano Ronaldo. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Le Real Madrid qui s'approche du but, une frappe lointaine, on ne sait jamais, ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé. Coup franc hein, sur cette faute et ah non, il n'y a pas à discuter, c'est le jaune. L'arbitre pense que c'est lui le patron. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Ça passe tout près du cadre. Ah, vu la distance, c'est quand même bien tiré, mais c'était quand même pas mieux à faire. Le classico madrilène, il m'a fait rire. Les derniers sont doués. Éliminer cette passe. Et oh là là! Qui continue. C'était une belle action. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu. Hein. Bon, ses gris-gris peuvent parfois agacer. Il lui arrive de se compliquer la vie, mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même. Et puis, quelle vitesse, quelle puissance et surtout quelle efficacité. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'Atlético.
derniers mètres. Ça, c'est du match. Dans cette heure. Diego Costa. Peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Gareth Bale sur le côté, personne devant lui. Sans trop tendu. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Allez, on va tendre les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. Dommage, dommage pour le Real et son entraîneur. On croit comprendre qu'il aurait bien aimé voir ce ballon franchir la ligne de but. Isco. Profondeur de Griezmann. Oh, Diego Costa tout près. Deux fois qu'il touche la barre, il s'écrase sur la barre. Gareth Bale. Matteo Kovacic. On s'approche de la zone de vérité. Ah, oh, l'interception, il a tout anticipé. Bien le secteur. Et ce sont donc les deux grands clubs madrilènes qui s'affrontent aujourd'hui. Ouais, en général, ça donne des derbies plutôt tendus et sportivement, on ne sait jamais à trop à quoi s'attendre entre le Real et l'Atlético. Il y a parfois des surprises. C'est vrai que dans un passé récent, l'Atlético avait gagné 3 fois de suite à Bernabéu. Oui, le Real qui perd 3 fois de suite à la maison contre la même équipe, ça n'a pas dû arriver souvent. Kovacic il prend sa chance, un tir complètement raté. Ça part bien, action dangereuse. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Gareth Bale. Oh, il a réussi à passer. Gareth Bale est pris avec 12 adversaires directs. Ah, Diane Golan. Isco. Ah, un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Dommage, dommage pour le Real et son entraîneur. Je crois comprendre qu'il aurait bien aimé voir ce ballon franchir la ligne de but. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. Un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Cristiano Ronaldo, attention, il peut les laisser, mais il a également du soutien. Oui, il bien taclé, mais ce n'est pas fini. Et le secteur. Non, elle a été interceptée cette passe. Isco. Isco, c'est. Allez, là, ça doit rentrer, Kovacic. Oui, attention. Oh non, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il a fait n'importe quoi. Il espérait battre le gardien, mais honnêtement, en s'y prenant comme ça, il n'y avait pas de danger. Et le secteur. Vitolo. Il a du champ, il a du champ, Philippe Luis. Philippe Luis.
Thomas. Ok. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Vitolo. Attention, ils ont déjà reçu. Le ballon en corner au bénéfice de l'Atlético. Excellent corner frappé par Coquet. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Et Ronaldo peut faire la différence. Et il est dépossédé du ballon. Dommage. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Hamzik prend et Martins, peut-être pour faire la différence. Et le ringuet et l'école généreuse que l'on retrouve pour la suite de ce derby madrilène. Oui, derby madrilène très serré pour l'instant. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah oui, Coquet dans l'espace. Les 30 derniers mètres. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes? Je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. Il attend quand même autre chose en une période, peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Le corner de Coquet. Et Madrilène qui est en pleine possession du ballon. Mais il s'agit de la sortir. Peut-être 1-0. Attention le tir. Oh, c'est juste à côté. Ouais, il a voulu jouer en finesse, mais au final, bah, il a pêché au niveau de la précision. C'est quand même dommage. Ok. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Il s'avance vers la surface. Coquet, attention, il peut être dangereux là-dessus. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. L'arbitre qui arrête le match. Il a vu qu'il y avait un PC. Définitivement, le jeu va pouvoir reprendre. Matteo Kovacic. Allez, Icardi. Oh non, si vous blessez Icardi là. Real Madrid qui s'approche du but. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Allez, on va pouvoir amorcer un contre. Si vous me blessez Icardi, je me blesse Griezmann. Oh, le coup de tête. Allez, ballon bien arrêté, bien capté. Et le secteur. Il ne faut pas dire parce que coach Romelos s'est aventuré défensivement, mais il s'est remarqué aussi. C'est beau constat. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt réflexe. Ah, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Jiménez, attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Oh, à côté. Oh, il la met à côté. Oh non, c'est pas possible. Ah, enfin, c'est fini, ça ne fait pas jouer à grand-chose. Hein.
pour Balogun. Les sports qui vous donnera rendez-vous avec le championnat espagnol pour cette rencontre. Atlético Madrid affrontera Levante à l'extérieur. Un match qui sera, espérons-le, intéressant à suivre. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Mais ils se sont gênés là. Ah non, pas là, non, le ballon est perdu. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Il passe bien son vis-à-vis. Je crois qu'il a pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Icardi demande. Saoul. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ça part bien, action dangereuse. Il lui donne ce ballon de la tête. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Thomas. Diego Costa. Ça, il prend sa chance. Et le premier but de la rencontre, le voici. Oh oui, on l'aura attendu. On l'aura attendu, mais on l'aura eu sur la fin. Ouais, ça a été long à venir et c'est peut-être le signe d'une fin de match complètement folle, va savoir. On va voir. Déjà de l'Atlético Madrid, qui a pris le devant. Bon timing défensif sur ce tacle. Jenson Martins. Et le ballon bloqué par le gardien. Oui, ça dépend. Il veut mettre un but et il veut être en bonne passe de la tête. Ouais, bien vu, Icardi, bien donné. Le tir. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Thomas. Antoine Griezmann. Ouais, peut-être une bonne occasion. Il faut qu'il centre là. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Il avance encore. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Gerson, le bon ballon. Ah bien, s'ils remportent le match, sauf qu'ils le devront également à leur gardien avec cet arrêt exceptionnel. Un geste de grande classe à un moment décisif puisqu'il évite une égalisation dans les dernières minutes. Bien frappé. Sergio Ramos. Ah, c'est un match qui s'emballe. Il reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Le score qui est de 1-0. On peut déjà penser au prochain match de cette équipe. C'est quoi déjà? L'Atlético de Madrid doit affronter Levante ensuite. L'équipe a bien joué, elle devrait s'imposer, c'est assez logique vu leur domination. Un pic. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Un pic. Attention, ça peut être dangereux. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Minutes pour égaliser, ça va être un peu juste. Ah, Diane N'Golan, un tacle propre, le ballon toujours en jeu. Et il en avance. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Intervention décisive du défenseur. Pas beaucoup d'espace, hein. Et Martin. Ça
Raoul. Oh ben, troisième défaite. C'est terminé, le coup de sifflet. Et c'est pas contre n'importe qui, contre l'Atlético. Et finalement, on a plus beaucoup de plaisir à suivre ce match. Ils ont gagné le derby madrilène. Faudra que je rattrape les points. Il faudra que je compte sur une défaite du Barça et de Séville. Rendez-vous au prochain match. On ne décourage pas. On garde la pêche. Et vive la Liga Santander.